Vincent Lagaf. Oui, je suis dans monsieur Briquet, ma prévenue que vous avez utilisé les deux derniers moniteurs, voilà, ça va assister le nouveau. Nous allons donc prendre le premier cours de ski en intérieur. Sachez tout d'abord qu'avant d'avoir un beau ski, la pied est nécessaire d'avoir une position adéquate. On va commencer par sauter le bordel, et si je peux me permettre un petit conseil, quand vous aurez sauté le bordel, le bout recourbé, mettez-le vers là-bas. Oui, non, je précise parce que j'en ai vu quand il est recourbé dans la vidéo, moi. Voilà, je dis, ouais. C'est aussi fait que ça a été le plus amusant de faire. Ça, c'était surtout le plus douloureux. Bien. Vous sautez les skis au pied en faisant attention qu'il y en ait un à chaque pied. Une bonne position à pied est une position qui s'attrape en trois flexions consécutives que je vais décomposer pour vous deux fois, si vous permettez, et si vous ne le permettez pas, je le ferai quand même. La première flexion est une flexion qui s'exécute au niveau du pétard. Démonstration. La deuxième flexion se fait au niveau des genoux. Et la troisième flexion se fait au niveau des chevilles. Ensuite, tu prends la tête en avant et tu prends la position de recherche de vitesse. La deuxième chose que nous allons découvrir, c'est la meilleure façon de descendre une piste à ski. La meilleure façon consiste à partir du haut de la piste. S'il y en a qui veulent partir d'en bas, ils vont se mettre. Vous partez du haut de la piste et vous descendez en faisant ce que l'on appelle communément des zigzags. Et vous verrez qu'au niveau des zigzags, il n'y a aucun problème, mais le problème commence quand on cherche à enchaîner le zig avec le zag. Alors là, le dé, ça va, le zag, mais c'est le petit bordel, la dig. Moi, j'en avais vu une fois. Il est arrivé en Bundesling. Oui, on a fait pas de rôle du tout, hein? Les réglages de saut et les réglages de pro ne sont pas vraiment les mêmes, hein? Il est arrivé en Bundesling. Arrivé en Bundesling, il posait le cul par terre, il tournait le style, il se relevait et il attaquait le Zan. Eh bien, c'était là. Et puis surtout, c'était quoi? Et pourquoi nous allons découvrir les joies de la conversion, bien connue sous le nom de demi-tour, puisqu'elle s'est rappelée, ils sont tous. Yes! Le ski allemand va courageusement se jeter par-dessus le ski à balle. Le ski à balle est allé comme un pou en fait tout temps. Ici, nous avons deux solutions. Soit le chenou. Et qui dit ça, on a fait. Pour le tiers moins plus court que le tiers bas, le voilà qui repasse devant, mais le tiers bas ne se laisse pas faire, alors toi tu enseignes, au bout d'un moment tu t'arrêtes, et enfin tu peux attaquer le zag. La dernière chose que nous allons découvrir, c'est comment remonter une piste en escalier avec une solution très simple qui s'appelle la remontée en escalier. Vous prenez par exemple un escalier et vous faites ce que l'on appelle un geste et précis. Quand tu es arrivé en haut de la piste, bien souvent tu regrettes de l'être. Alors, pour te donner du courage, il serre les bâtons, il serre les coudes, tu fais tout ce que tu peux tirer. Tu donnes un peu de nord. Vous ne pouvez pas plutôt prendre le delta plan, ouais. Le souriant, toi. Ouais.